Nouvelle vidéo pour lesviolets.com avec la casquette Panam de Jean Armel, Cannabic. Panambic, Panambic, Panam, Panam, Panambic. Alors, avec cette casquette, je suis dégueulasse. Mais bon, c'est un joli clin d'œil, donc je la garde. Et puis, c'est la casquette qui a été publiée aujourd'hui dans Le Parisien. Article sur lesviolets.com dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, regardez, hop, je suis en train de tout perdre. Voilà, c'est fou l'engouement qu'il y a autour du TFC, enfin non, pas autour du TFC, autour du site lesviolets.com. Et cet engouement, c'est grâce à vous, donc vraiment du fond du cœur, je vous remercie pour votre fidélité au site lesviolets.com. Et alors justement, cette vidéo, je vais parler avec le cœur parce que je suis un peu malade, j'ai pas envie de m'énerver. Ce match, c'était mais lamentable. Lamentable. J'ai l'impression que chaque semaine, on veut faire pire dans le contenu. C'est incroyable. Vivant la 38e journée, c'est nul. Bon. Que dire, chers supporters du TFC. Avant le but de Braithwaite, on avait deux pieds en Ligue 2. Et grâce à son but, on a toujours un pied et demi. Donc on y croit. Oui, on y croit. Voilà. Mais bon, à un moment donné, le couperet tombera. Hein. C'est comme... Comme quand tu veux faire une prise de sang, enfin, faut que tu fasses une prise de sang, et t'aimes pas les prises de sang. Donc tu te dis, oh là, je vais gagner du temps, je vais faire du sport et tout. Bon, mais à un moment donné, il faut la faire. Et t'as du cholestérol et c'est la merde. Bon, mais à un moment donné, le TFC, ça va plus le faire. Quelle tristesse dans le jeu contre, pendant ce match. Quelle tristesse. On a deux occasions dans le match. Deux occasions. Et pourtant, Henri Bagi, nous avait sorti Machache, Trérot, Braithwaite, Ben Yedder. On a deux occasions dans le match. J'ai du respect pour le Gazélec d'Ajaccio. Parce qu'avec leur effectif, leur budget, leur niveau de jeu, ce qu'ils font cette saison, c'est juste incroyable. Ils font mieux que nous. Mais le Gazélec était nul. C'était nul. Et on est arrivé à faire pire que sur ce match. C'est incroyable. J'ai plus les mots. À tous les niveaux. Spajic, Akpak Pro, notre capitaine. Trérot, enfin bon, tous nuls. Voilà, zéro. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors les grands scientifiques et Harry Bagé évidemment en tête vont nous dire que mathématiquement c'est toujours possible. Que si jamais on gagne 3 matchs d'affilée, que Reims en perd 3, on va revenir dessus. J'espère que le miracle arrivera. J'espère que le miracle arrivera. Mais avec ce niveau de jeu, on descendra. Et on méritera de descendre. Je le dis très clairement et ouvertement. Bravo quand même aux supporters du TFC qui avaient promis de frapper fort. Et ils l'ont fait. Et ils ont frappé fort, sans violence, avec humour. Je trouve ça génial. Alors, et c'est marrant parce que Dominique Arrivagé, après le match, a dit qu'il n'avait pas vu les banderoles. Dites-vous bien que les banderoles, c'est ce qu'il a vu en premier. Nul et menteur. Moi, ce qui m'énerve, c'est que il y a un fossé qui s'est créé entre... les supporters, le public toulousain, et les supporters et le club, les dirigeants et Dominique Henri Bagé. On a fait un sondage sur lesviolets.com, 90% des supporters veulent voir Henri Bagé dégagé. C'est clair. Pourquoi on le fait pas? Il reste une mini-chance, une mini-chance. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on change pas d'entraîneur? Vu notre niveau de jeu, même avec un entraîneur de CFA2, ce serait pas pire. Ce serait pas pire. Et peut-être qu'il y aurait un engouement. Je le promets, dans mes vidéos, et je pense que vous serez à peu près tous d'accord, si demain on change d'entraîneur, j'appelle tous les supporters à supporter et à être derrière le TFC. Mais pas ce TFC-là avec Dominique Henri Bagé. Faut pas déconner. Au moins, si on descend et qu'on change d'entraîneur, on prépare un peu déjà la saison prochaine. Parce que là, l'ambiance, elle est pourrie. Elle est pourrie. Le mec, il est encore plus détesté que Casanova. Il fallait le faire. Parce que, rappelez-vous, il y a 3 ans, Casanova, il était détesté. Le mec est plus détesté qu'un Casanova. C'est énorme. Il te change de schéma tactique comme de costard. C'est-à-dire tous les jours.
Alors, évidemment, le discours d'après-match. Oui, alors, je pense que. J'essaie de limiter Dominique Arrivagé. Hein. Mathématiquement, tout est possible, donc j'y crois. J'y crois. Les joueurs sont concernés. Voilà, je sens un groupe concerné, à l'écoute, et j'y crois au miracle. Mais j'ai besoin des supporters. Il faut que. Alors, nous, on a le droit d'être nuls, mais les supporters, il faut qu'ils soient bons. Voilà, il faut qu'ils soient bons. Je compte sur eux. Les banderoles, non, je les ai pas vues. Et je pense qu'il faudrait un peu plus se lâcher. Et se lâcher quand, Dominique? À la 38e journée! Ce sera fini à la 38e. Après, c'est l'Euro. Mais l'Euro 2016, t'y seras pas! Wake up, Dominique! Wake up, Olivier! On tourne une page! Je suis satisfait du contenu. C'est dommage, on méritait les 3 points, mais on va se maintenir.